On travaille avec Pôle emploi pour le recrutement, donc on a la méthode de recrutement par simulation qui pour nous est un système d'évaluation dans notre processus de recrutement. C'est une méthode qui permet de détecter les habiletés des candidats pour voir si demain ils seront et ils pourront développer les compétences qu'on attend d'eux. Donc c'est vraiment une étape pour nous dans la sélection des candidats. À l'issue de cette sélection-là, nous, on s'engage de toute façon à recevoir tous ceux qui atteignent la note, qui est la note seuil pour rentrer en alternance. Donc c'est une deuxième étape, on va dire, dans le processus de sélection. Donc là, c'est une étape d'entretien RH. Et ceux qui valident cette étape d'entretien RH sont présentés en entretien aux opérationnels. L'équipe RH est plutôt concentrée sur les compétences comportementales et va les évaluer. Et puis l'opérationnel, lui, va plutôt se concentrer sur les compétences techniques. Et d'ailleurs, dans les CQPI et CQPM qu'on avait ce soir, il y a à la fois des personnes qui ont décidé de faire cette formation-là à l'issue de leur cursus initial, mais il y en a d'autres qui sont en démarche de reconversion. Donc avec l'actualité économique, un certain nombre sont obligés de se réorienter. Donc c'est une nouvelle carrière qu'ils embrassent.